Hein? Oui. Et puis, comment ça se passe? Ouais. Ici, c'est le lotissement de Nomé Moucho. Le lotissement de Nomé Moucho. Voilà. Ici, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Un lotissement de plus de 105 hectares. Voilà. Ici, l'État a pris. L'État a pris ce domaine là pour faire un lycée professionnel. Et ici, un lycée d'excellence. Moi, ma zone ici, là, c'est quoi? C'est où? C'est où il y a le lycée professionnel? C'est juste en face comme ça. Le lycée, le domaine du lycée, là, c'est bien ici. C'est vous, votre zone, là. Même en 2004, mon quartier, c'est peut-être plus que ça. Ma maman dirait que j'avais venu habiter dans une brousse. Mais aujourd'hui, là, dans mon quartier, là, c'est comme un petit paradis. Je n'y ai pas. Le quartier, on a traversé. Le quartier, on a traversé. C'est déjà habité en bas là-bas. Oui, déjà en bas là-bas, c'est habité. Même de l'autre côté, le courant est en train de venir vers ici parce que les gens ont construit. Là, on est là. C'est un nouveau quartier, vous voyez comme ça. Les premiers, là, sont en train de construire. C'est pourquoi vous avez vu la ville, là, vous avez vu. La maison clôturée, là, tout ça fait partie du. On a vu la grosse, la grande maison fermée, puis on est passé à côté. Voilà, tout ça, c'est le même lotissement. Donc, c'est maintenant que les gens sont en train de construire. Et l'État a plus de 70 terrains ici, à cause des pigeons et tout. Donc, ils attendent que les gens commencent à construire et puis ils vont faire venir tout ce qu'ils ont fait. Parce que quand on fait un lotissement, l'État prend un pourcentage. Sinon, on a deux secteurs à vous montrer aussi, sur la route d'Abidjan aussi. Ça, c'est... On va aller là-bas. Là, on a construit montrer ici d'abord. Là, c'est la route d'Abidjan. Vous voyez, en allant vers Abidjan, vous avez vu... pont des rails quelque part là-bas. Mais ça, c'est avant ça. On va prendre une voie ceinture comme ça. Et ce terrain-là, elle m'a dit de vous montrer. Et tout ici, là, c'est les habitements qui vont avoir lieu. Tout là, c'est les habitements. Oui, non, ça c'est des terrains. Que les gens ont des terrains. Voilà. Ils sont juste en bordure de la route. Oui, oui, ça, c'est, ils sont en bordure de route. Ceux-là sont en bordure de route. Et ça, en te rend. Ça, c'est pas mal. Bon. La grande voie. Il y a plusieurs. Ça veut dire qu'on vous montre ici. Vous regardez, vous voyez. Et quand vous allez vouloir partir, on vous montre le deuxième côté. Vous faites vos choix. Nous, on lui dit le choix que vous avez fait. Puis, en fonction de ça, on commence à lancer votre assiette. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est les deux plans. C'est pas mal. Le terrain, au début, tu vois ça comme ça, mais après, voilà. Comme avant, il y a des gens qui disent qu'ils ne pouvaient pas acheter une maison à Brésil. Ouais, mais aujourd'hui là, personne n'est venu t'acheter même mes vins à Béjevine. Aujourd'hui même pour moi, c'est un problème. C'est chez moi là, c'est la même chose là. Mais aujourd'hui, même mes studios, la location à 45 000. Ah, voilà. Oui, mais je pense en 2004, c'est où? Oui, j'ai bien construit. Mais ça dépend de comment. Si vous avez bien construit, les gens louent. Actuellement, si vous faites connerie, les gens quittent ici pour aller au travail. Moi, j'ai fait 40 minutes pour arriver à aller au travail. Ma vraie voiture les prend 40 minutes pour arriver à Abidjan. Donc les gens quittent ici pour aller au travail à Abidjan. Ils ont cassé la maison des gens. Donc les gens payent les terrains là comme un mesurement. Ce kilo de 64 hectares là. Mais les gens viennent payer. Il y a des gens qui viennent payer 50 terrains, 20 terrains, c'est comme ça. Parce qu'à Abidjan, ils ont tout cassé. Comme c'est pas loin d'Abidjan. Donc maintenant, quand quelqu'un fait, on lui demande de faire son ACD pour éviter les histoires. Voilà, faut pas jamais, il va avoir des histoires. Voilà, bonjour ma nation. Ce message est adressé à tous ceux qui sont à la diaspora. Voilà. Parce que ça ne sert à rien de vivre 20 ans, 30 ans en France et puis ne pas avoir de terrain, ne pas avoir un local, ne pas avoir une maison. Ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, il y a Bâti Plus. Voilà, Bâti Mon Patrimoine. C'est-à-dire aujourd'hui qui vous propose des terrains à des prix vraiment spectaculaires. Là où je vous parle ici, nous sommes à Agboville. Voilà, Agboville qui est une ville. Qui est une commune même de l'Abidjan maintenant. Voilà. Agboville qui est une commune d'Abidjan où nous avons
bâti mon patrimoine qui a des lots de terrain à 500 mètres carrés, c'est ça non? 500 mètres carrés à 5 000 euros. 5 000 euros, je ne vois pas aujourd'hui un benguiste en France qui n'a pas 5 000 euros. Voilà. Tu peux avoir même 100 000 euros, 200 000 euros, tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de maison, ça ne sert à rien. Donc ce message est adressé à toute la diaspora. Voilà. Moi-même, j'ai pris déjà un lot. Moi-même, je vais construire quelque chose là-dessus. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Mais je ne peux pas avoir une information de taille aussi spectaculaire, puis ne pas aussi en parler aussi à mes frères de la diaspora. Voilà. Donc tous ceux qui vivent en Europe, que ce soit France, États-Unis, Angleterre, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de devenir le pays, pour ne pas dire même le meilleur pays même d'Afrique. Tout est en train de se développer partout. Les petites villes à côté sont en train d'émerger même. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ici là même vous n'allez pas reconnaître ici. Vous allez penser que nous sommes dans un petit paradis. C'est comme cela. Donc aujourd'hui, nous vous proposons vraiment des terrains. C'est-à-dire que lorsque tu payes tes 5 000 euros là, c'est jusqu'à ce que tu puisses obtenir ton ACD. C'est-à-dire que tes 5 000 euros là, quand tu payes là, tu ne fais rien, tu t'assois à la maison, tu donnes que tes papiers seulement, eux ils vont tout faire à ta place. Et on vient te donner ton document chez toi à la maison. Et tu as ton terrain à ton nom. Si tu veux, tu viens, tu clôtures, tu veux, tu es là poulet, tu es là volaille, pintade, maudia. Tu fais ce que tu veux sur le terrain ici. Ça c'est à toi, ça regarde. Voilà. Moi-même pour l'instant, même si mon terrain même, j'ai fait une petite ferme tranquille, élever au moins les poulets, les moutons, toutes sortes d'animaux ou animaux. C'est qu'elle suit toutes sortes de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on a choisi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Voilà. Donc j'aimerais dire ici à toute la diaspora, le numéro de téléphone est juste en haut de ce direct-là. Nous devons tous avoir au moins un terrain en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la Côte d'Ivoire est la terre de nos ancêtres. Tu vas pour faire 30 ans, 50 ans en France, tu ne... c'est que même si tu veux obtenir la nationalité française, tu ne seras jamais français de pur et de sang, de mer, de quoi que ce soit. Ta terre, là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, obtenir un terrain dans ce pays-là, c'est primordial. Et c'est une obligation pour chaque être humain, ou chaque Européen, ou chaque personne qui soit à la diaspora. Donc, 5 000 euros, là, ça fait 3 millions et quelques de francs CFA. 500 mètres carrés. Et que vous m'avez déjà même regardé, même, le lot, là, même, ça va vous-même. Ça quitte où? Ça quitte là? Ça quitte là. Et la deuxième, il est où? Voilà. Vous voyez ça? Regardez un peu la dimension. Là, mais on peut construire même un bâtiment ici. Je vais 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire que tu peux construire même un bâtiment ici, même. Immeuble, même, tu peux déposer un immeuble ici. C'est que ce terrain-là, il est à 5 000 euros. Donc 5 000 euros, c'est un prix vraiment forfaitaire. Comme le disait ma maman, elle dit en 2001, on lui a proposé un terrain à Benjerville, 1 million, elle n'a pas payé. Elle disait que non, qui va l'habiter à Benjerville? Aujourd'hui, là, terrain même, c'est que terrain même 10 millions, même Benjerville, tu ne gagnes pas. Donc Agboville aussi est en train de se développer. Et c'est à 40 minutes, 1 heure d'Abidjan. La voie est tellement dégagée. Quand je venais même là, j'ai vu même, qui est le maire ici même? Ushuachou Albert. C'est le village de Demba. Le ministre Demba. Ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Ah, moi-même ici d'ailleurs dans ta ville même. Donc ça n'a pas. Moi-même, terrain même, je ne paye plus mes mots d'IA. Il y a fait terrain ici. C'est ça, j'ai fini ça. Donc, il s'appelle comment? Demba. Le ministre de la Santé. Voilà, c'est ton fils, c'est le Apoutou National. Je crois que je fais quand même beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Je fais beaucoup aussi pour le peuple ivoirien à travers mes prises de position sur la toile. Donc je crois que quand même, je ne peux pas venir dans votre ville et puis ne pas avoir quand même l'occasion de vous rencontrer et pour vous dire merci. Parce que quand je venais là, j'ai vu la route, je me demandais merci à Pater à Yamsokro. On s'est dit ça tout à l'heure, non? La voie est tellement dégagée, ils ont tellement arrangé cette voie-là. Je crois que je dois quand même venir vous voir, monsieur le ministre. Tu sais comment ministre quoi, Demba. Et puis il y a qui encore ici encore? Achou Albert, le maire. Achou Albert, le maire d'Agboville. Et Bitogo, la Bitogo aussi. Avec Papa Dama Bitogo. Bon, ça c'est mon vieux, Papa Dama Bitogo. Là, lui, ça. Donc Papa Dama Bitogo, le ministre Demba, je suis, et le maire Achou, je suis dans votre ville en ce moment. Voilà, donc je crois que
je peux avoir quand même l'occasion de vous voir pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons apporter, que ce soit à la jeunesse, que ce soit à la Côte d'Ivoire, que ce soit à nos parents qui vivent ici à Beauville et même ceux qui sont à l'extérieur, dans le but d'envoyer et dire à nos frères qui sont à Abidjan, qui sont dans des conditions les plus désastreuses, c'est-à-dire habiter dans des conditions vraiment qui n'est pas conforme même à l'être humain. Aujourd'hui, à Beauville, c'est à côté. Tu peux habiter à Beauville et puis aller travailler sur Abidjan. Nous-mêmes en Europe, même là, souvent même tu travailles même à 2 heures de Paris. Il y a des mecs qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller travailler quelque part à 6 heures. Donc, ce n'est pas ici qu'on ne va pas le faire. Donc, à toute la diaspora qui me suivent, appelez ce numéro qui est juste en haut de ce téléphone-là. Commencez déjà à prendre votre terrain. 5000 euros, tu as ton ACD. C'est-à-dire qu'avec ton ACD là, tu n'as pas de problème. Maudit avant d'avoir venu, non, c'est mon terrain, c'est le terrain de ma grand-mère. Mon grand-père est décédé il y a 1950, c'est notre terrain. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé ça. Une fois que ton ACD est donné là, le terrain t'appartient. Quelqu'un n'a qu'à venir, n'importe quel papier du monde entier, il ne peut pas prendre ton terrain. Donc, avec les 5000 euros, tu vas jusqu'à ce que tu puisses obtenir ton ACD tranquillement dans la paix du Seigneur. Donc, j'invite toute la diaspora à appeler ce numéro qui est juste en haut de ce direct là. Bâti mon patrimoine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le Haputu National est à Beauville en ce moment. Voilà, je suis venu moi-même voir mon terrain et aussi profiter aussi pour vous parler aussi de la beauté de la chose. C'est comme ça la vérité. Les gens ont déjà commencé à construire à côté. Voilà, et tout ça. Donc la famille, vraiment merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce direct-là et à toute la diaspora, n'hésitez surtout pas. Voilà, tu as ton petit 5000 euros dans ton compte là-bas, tu ne sais pas ce que tu as fait avec, achète ton terrain et puis toi-même oublie même le terrain même. Fais comme si tu n'as même pas acheté quelque chose et puis attends 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. 5000 euros avant, c'est transformé peut-être en 50 000 euros, tu ne vas même pas croire dedans, c'est comme cela. Il y a des gens qui ont acheté des terrains à Cocody à l'époque, dans les années 90, 85, à 500 000, à 400 000 euros, le terrain à Cocody même là. Il faut être footballeur ou ministre pour aller payer quoi. Sinon, si tu crois que ton pays, ça allait de 1 million parce que tu es terrain à Cocody, il faut oublier. C'est comme cela. Donc, c'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ou bien 10 ans, 20 ans, tu auras forcément des enfants. Imagine t'acheter ton terrain, ça là, dans 20 ans. Ça, c'est l'héritage que tu laisses à ton enfant comme cela. Ben, ce terrain, ça là, peut coûter peut-être 400 millions même dans 20 ans. Qu'est-ce qu'on en sait? En plus, on est 6 roues de stade de Mbappé, tout ça, Mbappé, Mbappé, bon, stade Alassane Ouattara. C'est-à-dire. Donc, merci à vous tous. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était le Haputu National. Et puis, rendez-vous très bientôt à travers mes directs pour vous parler de bâti mon patrimoine. Chacun doit bâtir son patrimoine. C'est ça que ça dit. Tout le plus, on voit de l'air. Voilà. Ça, c'est bon. OK. Donc, la famille, c'était le Haputu National, le paracétamol des réseaux sociaux. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à toute la diaspora. Et surtout, achetez vos terrains. À tous mes frères qui sont à Paris, que vous soyez boucantier, que vous soyez quoi que ce soit, il n'y a rien de tel que d'avoir son propre terrain. Voilà. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je ne peux pas même m'amuser mais à ne pas avoir moins un ou deux terrains ici en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Et j'aimerais aussi dire aussi, je viens voir mon grand frère pour le travail qu'il accomplit pour Benjerville. Voilà. Comment ça s'appelle déjà même là? Youssouf Doumbia. Monsieur Youssouf Doumbia. Voilà, la semaine prochaine, je vais aller le saluer en personne parce que ce qu'il fait pour Benjerville, c'est extraordinaire. Et je dois passer dans chaque commune pour féliciter tous les maires et tous les députés de Côte d'Ivoire pour leur dire vraiment, surtout même, papa, chose de Koumassi là, comment t'appelles la même papa Bakongo. Moi-même, je suis un petit de Koumassi, mais je suis émerveillé. Je suis arrivé à Koumassi, mais je me demandais dans quoi j'étais. Petit Paris, propre. Tous les syndicats, les Yamoro, Maud, les a... Bon, il n'y a pas dit les mots bêtes ici, il ne faut pas vous m'attendre dans la rue là. Bon, ce qui est sûr, en ensemble, que Dieu vous bénisse la famille. Donc, ouais. Achetez vos terrains, le numéro est juste en haut. Mais tu c'est pas forcément pour ceux qui sont en Europe, hein. Même si tu es à Abidjan, tu peux avoir ton terrain. Voilà, tu vis en Côte d'Ivoire, tu veux ton terrain, c'est bâti mon patrimoine. Le numéro est juste en haut de ces directs là. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Ciao, ciao. C'était le guide. À couper où? Terminé. Ouais.